votre émission culinaire Tour du Chef aujourd'hui. Nous sommes au complexe touristique de Zeralda. Je me trouve au sein du mythique hôtel Les Sables d'Or. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour rencontrer son chef cuistot. Il s'agit de Wassila Boulahia. Bonjour Wassila. Bonjour Soumeya. Comment ça va? Ça va, merci. Et toi? Ça va, je te remercie. D'ailleurs, je vais saluer tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Pour le public, on leur a préparé un bon menu riche et sain en même temps. Et justement, aujourd'hui, le menu du jour, vous l'aurez compris, sera préparé par Wassila. Et Wassila nous a promis un menu rfif dref. Dref, bien sûr. Alors, comme entrée, alors, je vous ai préparé une soupe d'artichaut. Alors, on va passer aux ingrédients, Soumeya. Tout après, de suite, alors, voilà. Les ingrédients pour la crème d'artichaut, on exactement. Aura besoin. Alors, on aura, j'ai ici à peu près 500 g d'artichauts qui sont cuits à la vapeur. D'accord. Déjà, voilà. Alors, il faut une bonne quantité. Oui, pour, bien sûr, parce que déjà, la crème d'artichaut, elle est basée d'artichauts. Oui. À la base, elle est faite d'artichauts. Alors, ce qui fait, on doit avoir une bonne quantité d'artichauts pour la préparer. Justement, cela nous permettra d'avoir cette saveur. Exactement. Sûr, du et le du goût, légume. Surtout pour, le goût de, pour avoir le bon goût d'artichaut et garder même la couleur c'est d'artichaut. Ça. Vous allez voir tout à l'heure. Et j'ai aussi un mélange entre deux poireaux et un demi-oignon. Très bien. Voilà, mais je les ai même hachés tranches parce qu'on va mixer la soupe par la soupe. Soupe bien voilà, sûr. À la fin. Un déchoué à persil. Mm-hmm. On a bien sûr comme épice, le poivron noir, c'est tout. Et vous pouvez mettre de la cannelle, tout ça, tout dépend, ça dépend les goûts. Quelqu'un, d'accord. Qui fait le goût. Donc toi, tu as choisi le poivron noir. Le poivron noir, voilà. Oui. On a un peu de beurre et un peu de sel et on a un peu de crème fraîche. On fait un bon mélange parce qu'il y a les tacos de loi comme soupe d'artichaut ou la crème d'artichaut. C'est ça. Ça, c'est la crème fraîche qui va faire la différence entre soupe et crème. On a de l'astuce qui nous connaît. D'abord, on va mettre le beurre. Bien sûr. Voilà. Un peu de sel. Du sel. Voilà. Et du poivre. Et du poivre, bien sûr. Alors. Les oignons. Les oignons et les poireaux. Oui. Voilà, une bonne quantité. Voilà. Et les artichauts. Bien sûr. Que j'ai déjà cuit à la vapeur. Mm-hmm. Et un peu de persil. Voilà. Alors, je vais mettre ça, ma marmite sur le feu. Le feu, bien sûr, pour que je la soupe. Très bien. Voilà. On va donc mettre tout ça sur la plaque chauffante. Exactement. On va laisser mijoter, bien sûr, nos ingrédients. Ah oui. Voilà. Je vais les laisser tout. كما هذا كي يتقلاو اون فا موي لا سوب تاعنا سوميه ونخلوها حتى وين يطيب لو تو ابري اون فا لا ميكسي سي تو اي لي فريمون سامبل رابيد اي ريش اي اوسي سي اون سي ان ريبا ميم بور لي جون كي سويفان ان سارتان ريجيم سورتو دون لو موا ساكري اي بوف لا فير اي لي فريمون جو لا كونساي دايور بور تو لو موند فوالا تري بيان تري بيان اون فا لاسي نوتر سوب نوز انغريديون ميجوتي اون فا لاسي دوني لو تان ا نوتر سوب pour cuire et on se retrouve tout de suite après ceci. Notre soupe, nos ingrédients, tqallaw, comme on dit chez nous. Oui, bien sûr. Tqallaw soumiya, d'ailleurs, tu sens, il y a de la bonne odeur. Les poireaux, l'oignon, l'artichaut. Les légumes, c'est vrai que ça sent bon. Exactement, hein. Voilà. Voilà. Déjà, même, tqallaw bien. Alors, on va passer directement au mouillonnement. On va la mouiller.
Très bien. Notre soupe avec de l'eau bouillante, mais même les habidir un fond de volaille, il y a pas de problème, il peut aussi la mouiller la soupe avec un fond de volaille. Donc on va ajouter de l'eau bouillante à notre soupe qu'on va couvrir notre soupe, voilà. La laisser donc cuire tranquillement. Par la suite, voilà. Il nous faudra donc la mixer. Bien sûr, elle sera prête. Donc on se retrouve dans un moment pour la deuxième recette. Bien sûr, on a un tagine de poulet au raisin sec. Tagine. Ne ratez pas. Au raisin sec. À tout de suite. Voilà, notre soupe, voici là, est presque prête. Elle est presque prête. D'ailleurs, après, on va la mixer. Et en parallèle, on va passer à la deuxième recette, notre suite, qui s'appelle tagine de poulet au raisin sec. Ça promet, hein? Allons-y. Bon, je vais découvrir. Alors, mais on va d'abord présenter les ingrédients qu'on a pour ce second plat. J'ai d'abord un dernier de l'oignon qui est coupé en julienne, avec de l'ail, voilà, écrasé, voilà. Très bien. À peu près 400 g d'oignon avec 30 g de l'ail écrasé. Super. Mais l'oignon, on le coupe en julienne, hein, voilà. D'accord. Aussi, j'ai une tomate qui est coupée en julienne aussi, une seule tomate. J'ai deux cuisses avec de poulet. Peau, hein. Avec la peau, bien Très sûr. Bien. J'ai deux cuisses de poulet entiers. Voilà. Une cuillère de tomate concentrée. Ok. Du raisin sec. Des raisins secs. Voilà. À peu près combien? À peu près 50 grammes. On va dire une poignée. Une poignée, voilà, Parfait. Pourquoi pas. Et j'ai ici aussi des amandes effilées pour la décoration soumise. Grillées, bien sûr. Parfait. Et j'ai à peu près 2 cuillères cassemine. Donc du gras. Du gras, voilà. Bon, c'est pour les gens qui n'aiment pas le semaine, ils peuvent le remplacer avec de l'huile d'olive ou de l'huile de table normale, ou végétale. Du beurre, carrément. Du beurre, bien sûr, c'est comme vous voulez. Du sel, bien sûr. Et pour les épices, alors écoutez-moi bien. Alors, j'ai ici un bâton de cannelle, voilà. Oui. J'ai fait un mélange d'épices pour cette recette. Alors, un bâton de cannelle, un bâtonnet. Du gingembre. Du gingembre, bien sûr. Une cuillère à café de chaque épice. Hein. Alors, bien sûr, une cuillère à café. Du gingembre, aussi de piment rouge et aussi un des ras el hanout et curcuma. Voilà, et bien sûr poivre noir. Voilà, alors on va passer. Le poivre noir, il est là. Hein. Il est là, voilà, mais non, moi j'ai mis aussi dans le mélange. Très bien. Voilà. C'est un tagine vraiment très très délicieux, khfif surtout par qui fait l'hna chti l'makla tana chouya li un peu mid ma kima nqoulou li gras fi Ramadan, mais راح ندبسك مع الدجاج ما فيهش بزاف دو غرايتو راح نديرو un peu de gras ou khfif kima nqoulou ma yghamnach, il est très bon, exact. Délicieux, vous allez goûter tout à l'heure. Et en fait le plus important, c'est-à-dire le plus savoureux dans l'histoire, c'est ce mélange entre le sucré et le salé. Le salé, bien sûr, avec le raisin, voilà, sec qu'on a. Alors, je vais mettre une cuillère à peu près, tasmine. D'abord, la marmitana. Okay. Je vais mettre les épices. Je vais mettre un peu de sel. Faites très attention pour le sel. On va saler, voilà. Alors, je vais rajouter aussi une cuillère de tomate concentrée. Voilà, concentré de tomate. Voilà. Parfait. Je vais rajouter aussi dans le sommier l'oignon et l'ail. Voilà, on a dit à peu près 400 g de l'oignon coupé en julienne avec 30 g de l'ail écrasé. Parfait. Voilà. Indispensable, donc l'oignon. Voilà, et la tomate aussi. Roi de la table, bien sûr. Bien sûr, surtout dans ce mois sacré. Et on a dit aussi une tomate, une grosse tomate coupée en julienne, bien sûr, avec la peau. Oui. Voilà. La tomate apporte aussi beaucoup de saveur. Exactement. Un côté sucré également. Sucré, bien sûr, parce qu'on a utilisé les raisins secs, alors ça correspond. Voilà. Alors, on la considère comme étant un fruit aussi. Bien sûr, la tomate, bien sûr. Voilà. Elle est vraiment en plus riche de beaucoup de vitamines, même le vitamine C d'ailleurs. Voilà, on va rajouter aussi, on a dit presque 50 g du raisin sec. Voilà. Voilà. Donc la tomate antioxydant également, excellente. Et les deux cuisses pour la de santé. Poulet, voilà. Voilà. Les et les deux cuisses. De poulet. De poulet, comme ça. Voilà. Khallouha titqalla à peu près 15 minutes sur déjà. Le feu doux. Après, ki nmouyouha, ki zidou lma, n'aoudou khallouha sur feu moyen, à peu près un quart d'heure. Très bien, voilà. Allez. Et le tagine est prêt. Voilà, on va mettre ça sur le feu, sur feu doux.
Et on va laisser le temps aux aliments de cuire tranquillement. On va mijoter tout ça, laisser mijoter tout ça. Et on se retrouve tout de suite après pour aussi une recette de dessert également. Ah oui, ça sera une surprise. Et à ce moment-là, ça sera une surprise. On va retrouver donc notre chef pâtissier. Wassila Ben Nasser. Voilà, il s'agit de Wassila Ben Nasser. Tout de suite après, ceci. Avec notre deuxième chef Wassila du jour. Il s'agit de Wassila Ben Nasser. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors Wassila est chef pâtissier. Elle va nous préparer le dessert du jour. Alors Wassila, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme dessert? Aujourd'hui, on a samsa aux fruits. Samsa aux fruits secs. Rien que ça. Ça promet. Oui. Alors samsa aux fruits secs. On aura besoin de quoi comme ingrédient, Wassila? On a une mesure de fruits secs. Ça sera des abricots, bien, ça dépend de, selon le goût. Selon le goût, selon au choix, donc. On a une demi-mesure de sucre et une demi-mesure de l'eau, ou bien de fleur d'oranger, il vaut mieux. Parfait. Alors, pour l'instant, on aura besoin de ça, on aura besoin d'un sila tout à l'heure. Sila tout à l'heure. On a aussi des concassés grillés pour la décoration. Très bien. Certainement commencer avec nos fruits secs. Je te les donne. Un bon mélange. Je vois là. C'est les couleurs, c'est le rouge, le noir. Ah oui, j'aime bien. Voilà. De la bonne humeur. Exactement, surtout manger, surtout le mois de Ramadan. Oui, voilà. On a besoin de sucre. Une demi-mesure. Après. Oui, une demi-mesure. Non, je veux dire. Cristallisé. Quelque chose de sucré, on a besoin, c'est vrai. Quelque chose de sucré. Pour l'énergie aussi. Oui, pour l'énergie. Sahara. Donc du sucre, là encore c'est au goût, selon le goût. Selon le goût, ça sera même on peut mettre 2 cuillères, 3 cuillères au lieu d'une demi-mesure. On est ça parti. Dépend de la mesure. Une demi-mesure, c'est-à-dire là on est environ 60 grammes À peu près. À peu près 60 grammes de sucre cristallisé. Là on a fleur d'oranger. De l'eau de fleur d'oranger diluée dans de l'eau. Oui. N'est-ce pas? Oui. Très quand bien. On dit les fruits secs, c'est fleur d'oranger. C'est vrai. Traditionnel. C'est vrai. On a un petit noyau de ça sent beurre. Bon. Ça sent bon. Ça sent bon. Un noyau de beurre. Un noyau de beurre, très bien. Parfait. Très bien. On va les mettre sur le. On va mettre tout ça sur feu doux. Je vais t'aider aussi là dans le moins. Très bien. On va laisser dans tous les ingrédients mijoter un peu. Comme toujours, elles travaillent ensemble. Ah oui. Moment. Elles forment une sacrée équipe. Les deux Wassilettes. Hein. Voilà. Mais bon. Je crois que tu as déjà préparé. J'ai préparé voilà. Déjà la farce. Super. On a une farce qui est. On a lancé par contre la farce, mais on a une farce qui est. Qui est déjà préparée. Quand elle est prête, ça y est, on va mettre des fruits secs. Très bien. Mmh. Des concassés, voilà. On a ici. Grillés. On a un peu de pistache. On peut mettre des cacahuètes grillées. Oh, c'est bien. Bon. On a des amandes filées. Des amandes filées, ça dépend. Donc là encore, c'est selon le goût. Mishkaïn Fdal. Très bien, Mishkaïn Fdal. Ça ne va pas. Exactement. Allez, donc on a donc notre farce qui va sécher la farce. Très bien. Donc on a notre farce qui est là, elle est prête. Elle est prête. On commence à. Très bien. On commence à rouler nos feuilles de briques, voilà. Feuilles de briques.
on peut faire aussi, on peut préparer une pâte pour samsa taladjel. Ah oui, on peut. Mais c'est vrai que les feuilles de brique, elles sont plus légères. Voilà, en plus elles sont légères. Oui, oui, exactement. Qui est assez facilité la recette. C'est ça. Le mois de Ramadan, on a beaucoup de plats. Exactement, c'est vrai. On a pas beaucoup de temps pour le moment, quand on travaille surtout. Et voilà, donc on va commencer. Ça facilite la tâche aussi pour la femme qui travaille. Voilà. Hein, quand elle rentre à la maison, elle va... Absolument. Voilà. Absolument. On peut les faire et mettre au réfrigérateur aussi. Hein. Et on va les préparer à l'avance. Voilà, oui, c'est bien aussi. Donc, alors, un petit peu de farce, voilà. Ça sent bon. Ça sent très bon, oui. Ah, moi, je suis gourmand, j'adore, j'aime bien. Tout ce qui est concassé et la fruits secs, j'adore, moi. Et puis, j'adore. C'est un sacré mélange. Ah oui. C'est dommage qu'on ne peut pas, qu'il n'y ait pas cette option. Oui, de transmettre l'odeur, de l'exploiter. L'odeur chez vous, mais en tout cas ici, sur notre plateau, ça sent très bon. Et voilà, donc on va utiliser la colle alimentaire. La colle alimentaire, c'est 2 cuillères de farine, 1 demi-verre d'eau. Voilà. Avec quoi on va donc coller samsa tana, justement. Il faut avoir cette texture, donc assez épaisse. Voilà, donc on va coller notre samsa. Et on va évidemment faire frire nos samsa. Nos samsa. Encore une autre. Encore une deuxième. Allons-y. Allez, c'est parti. Donc, allez, une deuxième pour vous faire plaisir. On va se faire plaisir. En tout cas, ça sent très bon. Hein? Ah oui. On va essayer de prendre un peu d'eau. Voilà. Sinon, on hagera. Il y a le deuxième, il hagera. Ah, tu as mis beaucoup. C'est copieux. Voilà. Ça, c'est pour voici. Hein. Ah oui. Piston. Mais allez, on va coller donc. C'est bien d'être généreux aussi. Hein. Voilà. Donc ça, on va faire frire nos samsa dans l'huile chaude, bien sûr. On pourra continuer à les rouler. Allez. Allez. On va donc plier, évidemment. Je vais faire comme toi, je vais prendre tout. Un peu de tout. On va prendre une chine mèche. Cerise confite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Pruneau, je crois aussi. On a des pistaches, je suis en train de les voir. Des concasses, c'est un mélange de concasses. Très bien. On a aussi... Après, on roule. Donc, on roule. Oui, j'espère que je ne vais pas... J'espère que je ne vais pas en mettre... Non. J'espère que je ne vais pas en perdre quelques miettes. Allez, voilà. Ah, tu as l'habitude de le faire. Oui, ça se voit. J'adore les samsa. Ah, ça se voit. Allez, tu es rapide. Ah, d'accord. Voilà. Ah bah tant mieux. On va coller. Très bien, un beau triangle. Allez. Voilà, bravo. N'est-ce pas une belle samsa? Allez, on va cuire tout ça. Donc, on va les faire frire dans de l'huile chaude, tout simplement. On va les faire dorer. Pas trop. Très bien, on va les faire dorer. Ensuite, on va les enrober dans le miel. On va les enrober dans du miel et on va les décorer avec des fruits secs aussi. Et on se retrouve tout de suite après ceci. Alors, dans la cuisine des Wessilettes, fruits secs à volonté et saveurs sans limite. Donc, on a bientôt fini? Bientôt fini. Alors, pour la soupe, on l'a déjà mixée, voilà. Notre soupe, elle est là, elle est mixée. Voilà. Et donc, on va
Ça, c'est une soupe d'artichaut. D'artichaut. Mais si vous voulez qu'elle soit une crème d'artichaut, vous pouvez la transformer avec un seul aliment, c'est bien la crème fraîche, bien sûr liquide. Je précise bien qu'une crème fraîche liquide, on va mettre un filet de crème fraîche comme ça. Très bien. Et on va la remettre sur feu doux pour qu'elle mijote un peu et on aura pu bien sûr notre crème d'artichaut. Mais si vous voulez la garder comme soupe, vous rajoutez rien, vous la laissez comme ça, comme on l'a déjà préparée. Voilà, Soumia. Très bien. Et pour notre tagine, raoui djemmer, comme on dit ici, raoui djemmer. Dernière ligne droite. Voilà, alors, ghir tani youjed, on va décorer avec des amandes effilées, grillées, bien sûr. Voilà, et bien sûr, on va avoir tout ça dans la table du ftor. Voilà. Évidemment. Alors, voici là. Et on a décoré avec des fruits secs. J'aime bien la déco. Alors, oui, c'est une bonne idée. C'est un rappel. C'est un petit rappel. Rappel, voilà. Un rappel de ce qu'on a à l'intérieur. Bien sûr. Eh bien, on va dresser notre table. Bien sûr. Et on se retrouve tout de suite après pour la présentation finale de nos différentes recettes du jour, le menu du jour. À tout de suite. Chez nos charmantes Wessilettes. Merci. Alors, on a dressé donc notre table. Juste un rappel, donc on a soupe d'artichaut, crème d'artichaut plutôt, parce qu'on a rajouté la crème fraîche. Donc, crème d'artichaut comme entrée. Nous avons aussi un tagine de poulet au raisin sec. Au raisin sec, donc mélange sucré salé, ça promet. Voilà. Et puis on a comme dessert, nous avons donc samsa aux fruits secs. Voilà, donc je l'avais dit tout à l'heure, dans la cuisine des Wessila, donc des Wessilettes, fruits secs à volonté aujourd'hui et puis saveur sans limite. Ben voilà, avec ça, je vais devoir vous remercier, je vais devoir vous dire merci. Merci à vous, Soumia, et merci à nos chers téléspectateurs qui ont suivi l'émission du début jusqu'à la fin. Roland, sahabtokom, sahabdanom. Voilà, un dernier mot peut-être, Wessila. Roland, sahabtokom, sahabdanom, à la prochaine, Inch'Allah. Avec ça, on arrive donc à la fin de notre émission. Merci à vous qui êtes en train de nous suivre depuis chez vous. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagnée pour la réalisation de cette émission. Je cite Oussama Amiou à l'image et puis Malouane Ossan et Karim qui a assuré nos déplacements. Merci à mes charmantes invitées, les deux Wessilettes. Donc, merci à toi, c'était merci. Sympa, merci beaucoup. Toi. Et puis, quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro Ftor du Chef. D'ici là, prenez grand soin de vous et de ceux que vous aimez. Sahar Tolkom, Sahar Mdankom. Salam.